Bonjour les amis, c'est Anthony, je suis très heureux, on se retrouve enfin dans ma game room et en plus aujourd'hui, on va ouvrir un colis exceptionnel. Avant, petite parenthèse, je souris parce que je suis content de vous retrouver mais en même temps je suis en colère. Je suis en colère parce que ça fait presque une semaine maintenant que j'attends de faire cette vidéo et figurez-vous que j'ai un facteur qui m'insupporte. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, dites-moi dans les commentaires. Vous êtes chez vous, vous êtes impatient de recevoir un colis, et bien le facteur il ne sonne pas. Il se précipite de mettre à la boîte aux lettres à la ligne de passage sans même prendre le temps de sonner. Vous êtes chez vous, vous êtes là, vous bougez pas exprès. Et non, vous recevez la ligne de passage, vous êtes obligé de courir à la poste. Et la poste, évidemment, elle ouvre quand vous êtes au travail et elle ferme ben, quand vous êtes disponible. C'est insupportable. Bref, on ferme la parenthèse, on est content, on se retrouve aujourd'hui dans colis exceptionnel. Vous allez voir le colis que j'ai reçu, les amis. Mais honnêtement, oh putain, ça va vous rappeler un colis qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, encore une figurine pop culture choc. Voilà, on va la mettre comme ça. Je pense que c'est mieux. On va faire attention avec le couteau. Parfait. Je vous jure, je suis comme un gosse. Hop, on va faire doucement. On va faire doucement. Alors, c'est un colis qui vient de chez Univers Vintage. Hein. Vous le connaissez maintenant depuis le temps. La fameuse boutique de collector et de figurines vintage. Oh là là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh putain, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Attention. Sans déconner, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Allez, on l'ouvre? C'est parti! Alors, j'espère qu'il est à l'endroit. Attention, suspense. Yes! Wouh! Je l'ai ouvert à l'endroit. Voilà, génial. Alors, on va le poser. Tout est bien protégé. Voyez? Voilà, il s'est présenté avec soin. Donc là, on a le certificat d'authenticité. Je vais le poser, ça. Ouais, je pense que c'est le... Je vais le poser. Et on va prendre une pièce, une par une. Donc là, on a la base de la statue qui représente une passerelle de la montagne du serpent surplombant une coulée de lave du plus bel effet. Regardez-moi ça, il y a une sourcil de taille qui est exceptionnelle. Ça pèse son poids, c'est très beau, c'est très lourd. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a bien le numéro 52 sur 375 exemplaires. Et nous avons donc le plus grand génie du mal de tous les temps. Le diabolique, les amis, le diabolique. Skeletor. Pardon. Il n'a pas de mâchoire. Ça m'est passé à Iman quand on avait ouvert Iman qu'il n'avait pas de cheveux. Ben là c'est pareil. Génial. Ici, on a la fixation. Comme ici. Voilà. C'est vraiment une position qui est propre à lui-même. Il y a un dynamisme qui est vraiment très bien fait. Il y a deux versions de cette figurine. Donc il y a la version dite classique qui est éditée à 500 exemplaires. Et on a une édition exclusive, donc celle-ci, qui est éditée seulement à 375 exemplaires. Qu'on a donc droit à deux mâchoires. Et on a droit à autre chose qu'on va voir par la suite. Voilà. Là, on a la version classique, fermée. Et bien franchement, ça en jette. Le spectre d'Avok, l'arme récurrente de Skeletor, on va directement lui remettre. Là, on a la version classique, éditée à 500 exemplaires. Human.
Maintenant, on va voir la différence avec la version éditée à 375 exemplaires. Donc on va lui changer la mâchoire. Hop. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve cette version exclusive. On a l'épée en ossement, qui est bien sympathique. Donc on va lui mettre pour voir. Hop. Voilà. La classe. La classe ultime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre arme? Hop, on va le mettre comme ça. On a la fameuse hache magique qui vient se positionner comme ça. Donc, petit récapitulatif, les amis, on a une figurine extraordinaire de chez Pop Culture Shock, mesurant 75 cm en résine, faite et peinte à la main. Une véritable œuvre d'art en édition exclusive, limitée à seulement 375 exemplaires dans le monde, avec vraiment des couleurs, une posture et un design fidèle à la série de Filmation. Un véritable bijou que tout fan des maîtres de l'univers se doit de posséder. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, activez bien votre cloche et restez bien à l'écoute parce que les amis, il va y avoir du très très lourd sur cette chaîne. On va partir à Cannes ensemble, on va partir à Avignon, on va partir aux États-Unis. Je vais vous présenter des choses incroyables, des objets, des figurines, des jouets, des consoles, des trucs vraiment de dingue. Restez bien à l'écoute, portez-vous bien et à très vite. Salut !